Salut à tous, c'est Alex le serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode de Frostpunk. Ah bah non, c'est pas Frostpunk, ok il y a de la neige, ok il fait froid, ok on s'écaille, mais c'est Anno 1800 le passage, le troisième et dernier DLC a priori du coup d'Anno 1800. Nouvelle expédition, où est-ce que tu m'emmènes? Alors, mission de sauvetage, pour des spécialistes. Merlin, Merlin l'enchanteur. Allez, faut vraiment que je fasse des nouveaux bateaux. Alors, on va s'occuper beaucoup, je pense, de... Pardon. Il fait froid, du coup, j'ai tombé malade. Pénurie de marchandises à la chaudière. Ben oui, il faut du... Voilà. Ok. Le diable réclame son... Ah bah oui, il faut des ressources, du coup, il te faut un petit entrepôt. J'imagine. Hein, tu peux pas aller chercher n'importe où. Bah, tu peux aller le chercher là, en fait, dans... Ah non, c'est un réfectoire. Non, c'est là que tu peux aller chercher. Ça va. Il va le chercher, il va le chercher. Ok, donc on va se concentrer un petit peu sur... sur la neige ici. Alors, une expédition, ça va pas trop bien. Mais minute, hein. Laissez-moi arriver quand même. Un navire piégé dans la banquise. Alors qu'elle croisait dans les océans perfides du Septentrion, votre expédition se heurte à des eaux gelées. Un plateau de glace qui s'étire à perte de vue et qui plonge ses racines loin en dessous de la surface. Elles ont refermé leurs mâchoires sur un navire pareil au vôtre. La peau racornie, la voix brisée, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Les marins naufragés puissent ce qu'il leur reste de force pour implorer de l'aide. On peut tenter de briser la glace avec les canons, j'ai l'impression. Plus 150% de chance de réussite. Je crois que ça va. Une tâche rondement menée, vos hommes décochent plusieurs salves en prenant le temps de rajuster la visée entre chaque bordée. Malgré toutes leurs précautions, chut, la coque est malmenée par les premiers tirs et bientôt... des blocs de glace se détachent du navire avec des craquements menaçants. Enfin, la banquise relâche son étreinte. L'équipage pris au piège déborde de gratitude pour la plus grande fierté de vos hommes qui s'efforcent de faire abstraction des visages émaciés et des voix brisées. On continue avec un petit peu. Voilà, regarde, ça y est, il prend du charbon. De la bonne charbonnette. Étudier le journal pour trouver les Inuits. Du coup, oui. Le journal, lisez-le attentivement. D'accord. Alors, attends, où est-ce qu'il est le journal? Alors, hop, les Inuits, un chenal. On va tourner la page. Alors, groupe d'Inuits au nord-ouest. D'abord sur leur grâce, ils ont proposé d'échanger de la viande de phoque contre du fer. Ok. Les brise-glace. Nord-ouest, tu vois, c'est les nord-ouest a priori. Du coup, bah c'est bon. Vous pouvez ordonner à vos bâtiments d'escorter automatiquement en sélectionnant votre navire, puis en cliquant avec le bouton droit sur le navire cible. Escorter quoi? Si vous devez suivre un navire... Ah, faut que je fasse de l'espionnage en gros? Oh mais j'ai plus de bateau ici, du coup je l'ai envoyé en expédition. Qui? Expédition archéo, ça se passe mal ici aussi? Des profundis, une entrée obstruée par des rochers et des couloirs piégés, les temples mayas se ressemblent tous. Après avoir débouché par accident dans ces cavernes inexplorées, vos hommes plaisantent de la situation pour en oublier la précarité. Ils savent bien ce qu'on dit des temples mayas, plus l'on s'y enfonce, plus les richesses abondent. Évitez les pièges, plus 10%, on va tenter. Les pièges sont trop visibles pour que vos hommes s'y laissent prendre. Vos matelots se contentionnent pour éviter pierres, effilés, plaques de pression et progressent dans le couloir avec l'aisance d'explorateurs chevronnés ou de pillards. Ils ont au fait d'atteindre le cœur du temple. Il reste à franchir un pont fragile sans le moindre garde-corps jeté sur un gouffre vertigineux. Serait-ce une épreuve de courage? Foi ou force? Allez, on y va à la foi. Aïe aïe aïe. La témérité de vos hommes n'est pas récompensée. Rien ne dit si c'est la fragilité de l'ouvrage ou les tremblements de vos matelots qui agitent le pont de ses soubresauts. Bientôt, les voilà qui rampent, agrippés aux planches vermoulues et qui s'apitoient sur leur sort. Ils parviennent de l'autre côté du gouffre pour enfin déboucher dans un tunnel qui, après quelques nouveaux exercices de reptation, les emmène dehors. Aucun de vos hommes n'est blessé, hormis dans sa fierté. Tout ça pour rien. Bah super, optimiste lui. Le journal. Oula.
Bon, publie tel quel, tant pis. Vous avez perdu un bonus d'influence. Oui, bah prout. Alors ici. Peu importe mes états d'âme, on a du pain sur la planche. Mes états d'âme. Alors, abri d'exploratrice. Oui, au féminin. Voilà, je vais faire un triple quartier. Ah, j'ai plus de bois, j'ai l'impression. Rassure-moi, j'ai pas fait la connerie de pas... j'ai fait la connerie de pas mettre de cabane de bûcheron. Il est un peu con-con, loup, des fois. Tu crois que ça pousse tout seul, le bois, ou comment ça se passe? Allez, je vais le mettre là. Voilà. Ah mais toi aussi t'as froid en plus. On essaie de rester le plus près les uns des autres pour se tenir chaud. J'ai relou. Pénurie de main d'œuvre. Pénurie de main d'œuvre. Oui bon ça va. Des fermiers à Bright Sands. Comment c'est possible? Ah oui, bah voilà comment c'est possible. Tout le monde est malade. J'avais un peu oublié ça. Hôpital. Il me manque quoi? Oh, plein de choses. Je sais pas dans quel sens le mettre. Allez, celui-là. De toute façon, je suis pas prêt de pouvoir le construire. Hein. L'air qu'on respirait pourri. Ouais, je vois ça. Faudrait que je vous envoie des ressources. Ça m'embête, je vous avoue. Hein. Mourrez tous et puis quand vous aurez progressé, on mettra d'autres ressources. Oh, quelle compassion, Lou. C'est beau ce que tu fais. Bon, ici, comment ça se passe? Avec les soucis d'électricité, ça ira mieux quand on aura la centrale... l'autre centrale. Qu'est-ce qui se passe? La pénurie de marchandises? Manque d'acier partout, j'ai l'impression. Toujours pas d'électricité ici. On va aller voir dans le nouveau monde. Là, ça roule. Ici. C'est bon mes routes de pétrole ou quoi ou qu'est-ce? Route de pétrole. Bah non, j'ai même pas fait de route de pétrole, bah tu m'étonnes. Alors, Prosperity, voilà, nouveau monde. Bah, affréter un navire. Ah oui, non mais oui. J'avais dit qu'il me fallait un navire... Je suis un capitaine comblé. Ah, expédition de retour! Très bien. Oh, cool, un orque. Une orque, pardon. Un loup arctique. Ah, oh, comme dans Planète Zoo. Je vous invite à aller voir mon let's play d'ailleurs. Et un blobfish. Pourquoi pas? Bien. Où est mon. Voilà, ici.
Chantier naval, mon pétrolier. Partie sauvegardée. Ah, 17 sur 20 en machine, ça va, on y est presque. Du coup, non, ça c'est les plantes. Porcherie. Mais non, pas porcherie. C'est joli. Par contre, j'ai plus rare de place, hein. Ouais, j'ai plus de place pour les animaux, c'est malin. Il y a beaucoup d'animaux marins quand même. Ah, nos navires étaient détruits. Par qui, par quoi, comment? Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Super. Cimenterie, j'ai pas trop. Fourneau. Fourneau, j'imagine. Et la production? On est censé la... On manque du matériel nécessaire. Gisement de fer. Ça c'est quoi? Mine de fer. Vous avez du charbon, non? Gisement de zinc. On a besoin de plus de bras. Ouais. Oh, bah, c'est ça le problème, c'est qu'il y a... Voilà, il y a charbonnière ici. Calcaire. Charbon. Il y a du charbon ici, cela dit. J'ai pas les ressources. Manque de briques. J'ai pas de l'argile dans le coin sur cette île. Aucun gisement. Donc oui, il me faut une route d'affrètement. J'en ai une normalement. Attends. J'en ai aucune. Brique. Peut-être pas 80. Allez. 20 par 20. Pénurie de main-d'œuvre. Fermier à Crown Falls maintenant. Pénurie de main-d'œuvre. Alors Brighton, c'est normal. Alors, hop. Je sais pas trop où les mettre là pour le coup. Pourquoi j'ai fait des routes là comme ça? Je peux. Diable réclame son dû. Ah bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait une route. Rix de taverne, ces canailles l'ont bien cherché. À chaque port, sa taverne mal famée. Celle-ci ne fait pas exception. Alors que votre équipage prend une bière au comptoir, la porte de la taverne s'ouvre à la volée. Le tavernier se raidit et les conversations se tassent. Les nouveaux venus sont des habitués des lieux, des clients de la pire espèce. L'un des gredins scène un coup de coude à votre médecin, puis fulmine quand l'alcool vient éclabousser ses vêtements crasseux. Il attrape aussitôt votre homme par le col et exige des excuses. On est mal en point là, plus 20%, on va croiser les doigts. L'alcool est un langage universel. Les voyous vous prennent au mot et lorgnent des bourses de matelots quand ils font passer de quoi payer les bières. La première tournée servie, l'une des crapules donne de la voix et annonce un concours de boissons avec l'équipage. C'est leur idée, et elle tranche curieusement avec l'attitude agressive qu'ils avaient eue jusque-là. Montrer qu'on tient bien l'alcool, les droguer pour éviter la confrontation, super. Allez, on va... Expédition perdue, super. Avec quelle espèce de feu liquide concocte-t-il cette boisson? Vos hommes s'y connaissent en alcool fort et en bière exotique, mais le panaché spécial de la taverne à base de bourbon, de sucre et d'absinthe leur met le feu aux entrailles. Depuis le temps, les voyous sont habitués à ce breuvage infernal. C'est à peine s'ils ont les joues qui rosissent alors que vos matelots s'évanouissent l'un après l'autre.
Il se réveille la tête lourde et des poches légères. L'équipage a payé un lourd tribut et le moral est au plus bas. Au cours des jours suivants, désertions, querelles et actes de mutinerie sont monnaie courante, sans oublier les disparitions mystérieuses et les braves hommes et femmes du bord qui perdent la raison. Votre expédition est perdue. Et avec ça, tout ce que j'avais comme trésor dessus, super! Bande de gredins. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, il n'y a pas de route, voilà ce qui s'est passé. Rien de bien à dire. Rien de bien à dire? Bah. Quand même. T'es pas au bagne, ma fille? Une terre généreuse. On manque de poissons. La poissonnette. Bah, j'en ai deux pourtant là des poissonneries. Voilà, allez. Ok, Arctique, on y retourne un petit peu. Ce n'est pas un travail agréable. Oui, alors on manque de bois, du coup. Ah mais alors attends, non, j'ai du bois, mais j'ai pas, oui. Je n'ai point de scierie. Continuez d'alimenter la chaudière ou on attrapera la mort. Ah bah il est parti comme on est parti. Je compte sur vous pour m'initier à vos usages. Tout à fait, Maureen. T'inquiète, ça va arriver là. C'est bon, on a suffisamment chaud là? Ah bah voilà. Du pemmican. Non, on l'a pas encore débloqué. De toute façon, j'ai pas les moyens. Pour l'instant. Comment ça, zéro bois? Du coup, il n'y a pas de production parce que... Parce qu'il fait trop froid. Oh purée. Comment faire? Bah j'ai pas le choix en fait. Tu vas être là pour l'instant. Puis je te redéplacerai après dès qu'on pourra construire là-bas. Hein. Comment ça, l'une de mes routes a un problème? Haute vie, Bon, tout roule ici. Putain, je suis tellement deck pour mon expédition. Vu les personnages rares que j'ai perdus, bah super. Ah là là. Bon, ici, on... C'est bon, c'est la fin? Ouais, ils ont l'air d'aller mieux. Peut-être personne n'a-t-il revendiqué cette île? Non. C'est immoral. Oh, tais-toi, tu me saoules. Alors. Je rénove le fourneau, ok. Faut de l'acier de toute façon là. Il y en a une là de la Syrie. Le petit poisson est prudent quand il nage au milieu des gros. Ah non, toi tu vas être méchant avec moi encore.
m'embête. On peut pas démolir. Ils sont malades, on a qu'à les... On démolit, puis voilà. Tranquille. Ah! Un pétrolier! Pourquoi on perd des sous? Bon, le marché ici. Je vais vérifier les marchés. Oula! Y'a plus de bière. J'en produis pourtant à côté de la bière, il me semble. Ouais. A priori, c'est bon, normalement. Importation depuis le Nouveau Monde. C'est agaçant. Il n'y a plus d'électricité non plus. Non mais sérieusement. Qu'est-ce qui se passe là? Le pacte de non-agression a expiré. Super. On va se faire agresser à nouveau. Ah bah voilà, on a enfin de l'électricité là. Faites au moins semblant. Tronçon occupé, train retardé. Oh, je fais ce que je peux avec les tronçons là, c'est le bordel. Ce que je peux faire par contre, je sais pas si ce sera efficace, mais c'est toujours ça de fait. Au pire, voilà, on contourne. Voilà. Ça, au pire, c'est un train qui passe là, il passe par en dessous s'il faut, je sais pas trop quoi, il fait ce qu'il veut. Pourquoi ils vont tous à pied ces gens? Bon, le café, c'est pas normal. Normalement, j'ai des routes de café. Tu vois? Tous à vos postes. Les rivages incertains. L'île de l'amour, une affaire de cœur. Vos hommes ont amplement profité des largesses de l'île, mais beaucoup refusent d'en partir. Tous ont épris des fils et des filles du roi local. Peut-être pourrez-vous le convaincre de le laisser vous accompagner. Vous pouvez tenter un arrangement, de trouver un arrangement, ou attendre qu'il consulte son oracle de cuivre. La petite diplomatie. Une perte fâcheuse. Les gestes et les dessins scabreux tracés dans le sable ne sont pas au goût du roi et de ses sujets. Votre équipage devine le pire et s'enfuit à toutes jambes en direction du navire sous un déluge de flèches enflammées. Comble de l'ironie, l'un d'eux est frappé au cœur et se vide de son sang dans la mer. Les autres, le cœur brisé, s'en retournent à leur morne existence. J'ai perdu Rodrigo du coup. Super. C'est décidément là, côté expédition, il me punit là le jeu. Ok, bon. Arctique. Non, je t'avais mis un peu là. Voilà. Ok. Ah, j'ai eu une main d'œuvre.
On se les gèle. Oui, mais là, tu peux consommer du charbon. Voilà. Ok, c'est bon, c'est parfait. Parce que je veux faire du pemmican. Pemmican. Tu sais même pas ce que c'est. Partie sauvegardée. Allez. On va remettre un peu de maison. Allez, produit des planches. Ces chaudières sont fonctionnelles, à défaut d'être jolies. Oh 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 oh. On va peut-être finir celle-là aussi d'ailleurs. Soldats n'avaient pas besoin de se faire, tout gelés qu'ils étaient. Un dirigeable. Bon, nord-ouest. J'aimerais que mon bateau revienne du coup. Est-ce que je dois refaire un ancien un bateau dans l'ancien monde? Faut dire que là je me suis fait niquer mes bateaux. C'est un peu rageant. Tous à vos postes. Il va galérer pour sortir. Poussez-vous! Ah bon, non, il passe à travers, évidemment. Évidemment. Pourquoi faire compliqué? Ah bah voilà. Retour du café. Par contre, je suis inquiet pour l'électricité. Ah, c'est juste que j'ai plus assez d'ingénieurs pour l'électricité, c'est ça? C'est bizarre. Bah. Je l'avais débloqué auparavant. C'est correct, sauf la moisissure. Ah ouais, la moisissure, pas correct. Alors, faut refaire des ouvriers. On est plutôt pas mal. Ça se gentrifie dans le coin. Ainsi, cette ère de légende existe vraiment. Ouais, bah minute, hein, parce que franchement, les dernières expéditions, merci bien, quoi. Voilà. Madame veut des lunettes. Navire
Ah. Ouais. Mon pétrolier. Le lion rouge, très bien. Donc, nouveau monde, comptoir, prosperity. Partie sauvegardée. Charge, bah tout, voilà, paf. Jamais déchargé, bah attends. Ancien monde. Bah si. Ah, déchargé, pardon. Voilà. C'est parti. Ça va nous aider. Bah pourquoi? Ah, j'ai plus de bois carrément. Ah, on grandit trop vite. Bon, les thunes reviennent au moins. Votre méthodologie est discutable. Alors, bon, attends. Petite production de café. Alors, le café, c'est ici. J'aime plus. C'est quoi ça? Latex. Non, café. Ici. Café. Il nous faut des matières premières. D'accord. Pas assez de matières premières. Ok. Alors. Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Super. Ça explose de partout en plus en ce moment. C'est formidable. Il y a cette eu partie. Une explosion dans l'une de vos usines. C'est une vanne. Un de vos navires est attaqué. Sérieusement. Je vais attendre 2 minutes. Je puisse essayer de finir ça. Oui, ça ressemble à rien là du coup, mais bon. Au moins, j'évite le territoire lié au bois. Voilà, limite atteinte, ok. Non mais c'est pas ça, urgence. Carrément. Mon pétrolier. Alors, du coup, explosion ici. Ça sent le truc qui va péter et qu'on va pas pouvoir sauver de toute façon. Un chantier. Je m'appelle Teuz. Bon, c'est pas bientôt fini là, franchement. Comédie là. Ah, de nouveaux articles débloqués. De Charybde en Scylla, votre équipage entreprend de traverser un dangereux détroit. Comme Ulysse le long des côtes de Sicile, vos hommes aperçoivent un courant contraire qui reflète une telle force que des poissons aux yeux déformés et à l'abdomen translucide sont rejetés à la surface. Les créatures qui échappent à ce tourbillon sont implacablement drossées contre les féroces récifs du rivage. On va tenter d'échapper au tourbillon et manœuvrer pour éviter le rivage grâce à notre bonus. La peur obscurcit le jugement des navigateurs. Incapables de choisir entre plusieurs caps tous plus périlleux les uns que les autres, ils se réfugient dans un silence stupéfait et livrent l'équipage à ses propres expédients. Le navire percute le rivage dans une explosion de métal et de bois qui envoie une dizaine d'hommes par-dessus bord. Ce n'est guère plus qu'une épave que recrache le détroit meurtrier. 13%. On rentre. Voilà, tout est foutu, encore une fois. Super, merci à tous. Cela reflète très bien l'époque.
Ok. On vous surnomme excellent. La ville des cancres. Entre autres surnoms flatteurs. Ok, alors là, vous me saoulez. Hypnose. Entendu. Nous ferons les modifications de consommation. Question. Risque d'émeute, moins 50. Si bonheur nécessaire, moins 15. Bah déjà, j'ai pas les moyens. Nous serons tous derrière vous. Si vous y tenez, je ne m'y opposerai pas. Vitesse d'attaque, non, ça on s'en fout. Cri de ralliement, non. Parti, effort de guerre, non. Productivité plus 50. Probabilité d'armement, ouais. Revenu. Allez. L'incendie a été maîtrisé. Voilà. Tout modifié. La censure n'est pas toujours l'apanage des corrompus. Il est où mon bateau? Quand est-ce qu'il arrive là? Chief, le fardeau de la honte m'accable. Oh, tais-toi. L'autre, elle va être contente par contre. Très bien manœuvré. Voilà. Merci. Toi, je t'aime. Vous avez gagné un bonus d'influence. Très bien. Ok. D'accord. Peut-être en refaire du coup. Bâtiments ont été abandonnés à cause de l'épidémie. Bah oui, bah tu m'étonnes. C'est fini au moins ou pas? L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Ok, Osef. Voilà, épidémie terminée. On s'en fout, on reconstruit tout. Votre navire est revenu de son voyage. Ah voilà. Bon, franchement, pas tant de dégâts que ça, hein. Alors, on manque de fermiers. On va refaire des petites maisons, voilà. Bon, alors, par contre, pourquoi j'ai pas d'acier? Ça veut dire quoi, une ville sans entrepôt? Ah c'est ça le problème, c'est juste que t'as pas d'entrepôt depuis le début. Qu'est-ce que j'ai foutu? On est à court de matière première. Toi tu manques de charbon. Ah oui, puis attends, j'ai ma mine de fer qui a pété. Voilà, mine de charbon. Hop. Entrepôt. Allez, je le mets là, voilà. Ok, bon. Vous nous avez donné une voix. Manque de pain. Alors le pain, il est où le pain? Il est là. Une ferme céréalière. Ok, où est-ce que je vais la foutre, votre ferme? Ici. Allez. J'ai de la place.
le moulin juste à côté. Et la petite boulange. Parfait. J'ai des cartes prometteuses sur mon bureau. J'ai emmené où? Mission de sauvetage? Oh non. Il y aura plus tard. Il y a 3 niveaux de difficulté là, dis donc. Alors. Délai de traitement. 1 minute. 1 minute 3. 30 secondes. 30 secondes. Ok, donc il me faut une deuxième ferme. Voilà. Au boulot. Est-ce que j'ai assez de maisons au moins? Continuez comme ça, je vous le dis. Quand même en remettre. Voilà. Toulou. On fera des fenêtres après. Pourquoi? Le froid. Ah, relou. Putain, c'est chiant. Je peux pas aller jusque là-bas. Non, là t'as plus froid. À pire. Je sais pas ce qu'il te faut. Non. Voilà. Ah bah voilà, enfin j'ai le pemmican. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut? Pêcherie de baleine. Ok. Et une cabane de chasseurs de caribou. Gisement d'or, oh. Sur moi, c'est à peine si j'arrive à me baisser. Vous devriez peut-être détourner le regard. Ah, oh, c'est pas vrai. Foutre des chaudières partout ici. Si les gens sont frilos, c'est pas ma faute, hein. C'est bon, tu peux aller chercher ton truc là. En baisse, moins 2. Ok, je produis pas assez de charbon. En plus. En
enfin au bercail. C'est relou ce terrain. Voilà. Ah. Ah, expédition. Oui, revenu en avance. Je sais bien. C'est l'autre qui m'intéresse, la Merlois. Nord-ouest. On va aller voir là-bas. Voir là-bas si j'y suis. Des lampes à huile. L'île d'un de vos concurrents a résisté à une attaque. Bah écoute, tant mieux pour elle. Lou est alcoolique, il oublie de faire ça. Ah, on voit les câbles au sol pour la chaufferie. Ça va venir, ça va venir. Ok, donc là, on peut mettre l'usine de Pemmican. Dès que j'ai mes 5 machins. Mes 5 planches. Allez là, on veut survivre dans le grand froid. Non, non, il n'y a pas de pénurie, non. On a rajouté une deuxième machin, tu te calmes. Tu vois, regarde, une tonne par minute, c'est bien ça. Poump. Oh, Bright Sands. On est content, là, on bouffe du pain. Ah, voilà. Il leur faut quoi, maintenant? Une école et puis du savon. On va pouvoir passer à la suite, hein, du coup, et faire évoluer. Alors, il manque des ressources. Plein d'acier. Ok. Savon. Il faut des cochons, 1 minute, 30 secondes. Donc, 2 élevages de cochons, 2 fonderies pour une savonnerie. Votre peuple est désespéré. Ouais, bah ça va. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ok.
partie sauvegardée. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Fonderie de suif. Alors du coup. 1, 2. Je sais pas comment les mettre. Voilà, regarde. Hop. Et une savonnerie. Parfait. Hop. Et la brasserie, c'est bon. Et faut embaucher. Tout à fait. Je sais pas toujours comment organiser mes quartiers. Hop. Voilà. On soit patient là. Il va te falloir de l'acier. Oh bah tiens. Manque de fermiers. Ah bah oui. Forcément s'ils sont en train de cramer. Soit je fais pas du tout attention, soit il me prévient pas du tout quand il y a des drames. Pompiers juste là, quoi. Sérieusement. Il est relou, quoi. Si vous en voulez pas, eh ben, partagez. Non. Vous avez le ciboulot qui fait des ricochets. L'incendie échappe à tout contrôle. Super. Que foutent les pompiers, quoi. Oh. J'ai plein de sous. Vous avez vos parts. Je dois m'en réjouir. Ouais, réjouis-toi. J'avais des parts ailleurs, mais je sais plus où. Ici. T'es sûr de toi ? Oui. Ah, je peux pas. Madame Kaina. Little Wallet, il me semblait que je l'avais des parts ici. Elle m'a tout repris, elle. Bon, ici ça va, ici on est content. On est en train de réussir à calmer ça.
sauvegarder. Attends, carte de l'Arctique là. Parce que moi je me balade. T'es en route? Allez, va explorer. Tout le monde crève de froid. Tout le monde crève de froid. Nous sommes à court de certaines fournitures. Ah, pas du tout. Il est encore à 100% là, hein. Si je le mets assez proche. L'incendie a fait des ravages. Oui, bon, bah, ça va. Hop. Du coup, oui. Pimp. Poump. Paloump. Pouet pouet. Ok. Ça m'énerve, les deux petits points de... Regardez-moi dans les yeux. Vous avez sommeil et très envie de m'aider aussi. Non. Oh, je trouverai jamais personne pour s'en charger. Non, clairement pas, non. Je suis pas ton larbin. Ingénieur. Donc là, ils veulent de l'électricité. C'est une offre unique. Non mais... Comment ça, aucun? Ah oui, bah là, effectivement, aucun. Voilà, là, ça va un peu plus loin, du coup. Rien que par la magie de la route. Pacte de non-agression. Il veut que je paye pour ça? Non. Et ils veulent des ampoules maintenant. Attends, mine de silice, verrerie, j'en ai. Mine de charbon. Usine de filament. Encore du charbon? Oh là là. Je vais remettre une charbonifère. Usine d'ampoule. Attends, charbonifère. Ah, j'aimerais bien mettre de l'électricité au gaz. Non, c'est ville, c'est industrie, c'est matériaux.
partie sauvegardée. Ah, j'ai plus de briques. Voilà. Charbonnière, pas charbonifère. Pourquoi j'ai charbonifère? Peut-être que je réussirai enfin les investisseurs par la suite. Il n'y a plus que les ampoules à faire. Hein. Je vais attendre d'avoir les briques. Voilà. Ah non, c'est 15. Ah, bon, je vais patienter un petit peu. Et puis après, ce sera la fin de l'épisode. Poum, poum. Ah, évidemment, il y a l'autre bateau qui ramène tout en face. Ta-da-da. 256. On a un peu trop de briques ici, du coup. Ton travail dur, ça paye. Bien sûr. Vous n'êtes qu'une contrariété. C'est pas très gentil. C'est pas très positif comme remarque. Y a quoi faire une fête du tonnerre. Ouais, regarde, y a presque l'école. Ça avance bien, franchement, ça avance bien. Bon, l'Arctique, on a survécu ou pas, du coup? Oh putain. Ils vont crever. Non, je comprends pas, là, j'en ai 3, y a pas de raison. Pas assez de culture, tu te fous de moi. Il faudra bien disposer d'un entrepôt tôt ou tard. Tout à fait. Vaut mieux tôt que tard. C'est encore Loulou qui se plante, hein, qui oublie les entrepôts. Caribou. Ce n'est pas un travail agréable. Et puis là aussi, pas d'entrepôt. J'en peux plus, moi, des chaudières, là. Là, je n'en peux plus. Ok, voilà. Ça va, vous allez me faire des... plein de charbon, là, du coup. Une déforestation totale. Une frégate de première classe. Bah, qu'est-ce que tu fous, toi? T'es coincé? La banquise. Ok, alors. Ancien monde. 2 secondes. Vous validez? L'autorité n'est pas aussi difficile à encaisser. Montre à gousset épuisé. Oh, ça reviendra. Allez, hop. Hypnose, paf, publié. Un détournement. Mais non. 18, allez, on y est presque.
Et là, j'arrive pas à garder mes briques. Ah, du mal à construire mon usine d'ampoule. Faudrait que je désactive la route. Pour manipuler, pour contrôler. Tu peux te taire ? Voilà. Ainsi, ces terres de légende existent vraiment. Oui, bah je verrai les expéditions la fois prochaine. Eh oh ! Calmos. Partie sauvegardée. Moi, j'essaie de tenir ma ville comme je peux là. Je vois clair dans ton jeu. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, pas encore un incendie. C'est quoi ce bruit? Des musiques d'incendie. Ah, nouvelle île. Moins deux en main d'œuvre. Ah, mais au moins voilà. Les gens crèvent pas de froid. C'est déjà ça. 1, 2. Attends, 1. Oui, 1, 2, 3. Un chaman se doit d'aider les démunis. Nous partagerons notre savoir. Ah, cool, on a rencontré les Inuits. Je craignais votre venue. Je vais vous montrer où sont partis ces hommes. Ah bah voilà. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Le petit camp inuit. Bon, là au moins, c'est stable. Ici, c'est bon, j'ai les 20. Parfait, on pourra augmenter du coup le niveau. Et voilà. Parfait ça. Bientôt passer au troisième niveau du coup ici. Super. Et là on a... Hop, et là aussi. Voilà, production des ampoules. Impeccable. Bon bah voilà, ma foi, c'est plutôt bien engagé. C'est pas évident l'Arctique, hein. Enfin tout même. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite d'Anno 1800. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Oh, le grand Nord. Salut à tous et à très vite. Ciao.